Bonjour et bienvenue dans StarClick. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un jardin dans Minecraft. Et pour faire un beau jardin, il vous faut déjà une bonne pelle. Une bonne pelle. Et pour la bonne pelle, qu'est-ce qu'on va mettre sur la bonne pelle? Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un arbre parce que c'est mignon, les arbres. Regardez. Oh, on le fait pousser, c'est trop mignon. Et on met quoi? On met quoi? On lui met un habillage à cet arbre. On lui met un habillage. Ah! On lui met un habillage. Regardez, c'est mignon. C'est mignon. Phase après du tuto. Hop là, regardez. Là, c'est beau, c'est magnifique. On met des petites fleurs. Oh, oh, mais c'est trop mignon. On dirait que ta mémé, elle les a bouffées, les fleurs. Oh! Mais regardez cette œuvre. C'est pas beau? Les viewers et viewers, bonjour, c'est AlexClick, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des épisodes de StarClick Online, la seule série où on fait des tutos sur des jardins, et vous adorez ça, enfin bref, un tuto, disons un pétage de câble. Vous avez vu ma superbe œuvre qui a été modifiée légèrement puisque des blocs ont été rajoutés, rappelez-vous, il y a quelques secondes. Voilà, je fais des jardins à ma manière, et donc, c'est Fox qui va nous les faire aujourd'hui. Bonjour mon cher Fox. Salut Alex. Comment ça va? Tu aimes mon œuvre? Non. Ah, c'est dommage, casser. C'est bizarre. Casser. Bah, tu Je peux mets des commencer Je mets à... des torches pour que ça brûle, mais... Voilà, commence à la casser. Nous avons aussi Monsieur Jinta, alias Je vous emmerde. Salut Jinta. Salut à tous, ça va? Oui, et toi? Ouais, très bien. Ah, j'attendais pas cette réponse, j'attendais la réponse. Non, je t'emmerde! Merci Jinta. Au moins tu es fidèle à ton poste, Monsieur Nock. Comment ça va, mon petit lapin des bois qui va dans les forêts? Oh, moi ça va toujours. Par contre, je savais pas que t'avais la main verte comme ça. Eh, t'as vu? Dans une autre vie, on m'a appelé le géant c'est quelque moche. Chose. Monsieur Oro, comment ça va? Salut Alex, bah ça va et toi? Est-ce que tu aimes mon œuvre? Regarde, bon là il est en train de la péter. Ouais, ouais. C'est mieux comme ça en fait. C'était du Picasso. Je l'embellis. Et il reste. Mais que tu veux dans ton coin, ma petite Martine? Je te cherche Docteur partout. Robert. Oui, docteur Robert, oui, il a pris ses médicaments. C'est... Au revoir, monsieur. Ah, salut Alex. Est-il au téléphone, c'est... Oui, docteur Robert, oui, non, elle a pris ses médicaments, ça va pas mieux. Hein. Il y a une rechute, le clic, là. Bon, aujourd'hui, nous allons faire un petit détour du côté de chez soi et surtout visiter un petit peu ce qui a avancé et commencer à vous montrer les jardins qui ont été travaillés par Fox, Sin et les avancées. Donc, je vais essayer de l'aider. On va essayer de l'aider, c'est pas gagné. Regardez, grâce à moi, on récupère des arbres. Et ça, ça n'a pas de prix. Penser que dans Minecraft aussi, c'est important d'avoir la main verte et de penser à l'environnement. Un arbre arraché égale un arbre replanté. Nous y engageons. Regardez, je le fais tout de suite. Hop. Attention. Ouais, mon plan non, trahir, non, non, hein. Non, donne-moi ça. Rends-moi mon arbre. Rends-moi mon arbre. Mon arbre. C'est pas moi qui l'ai. Donne. Tiens. Non, non, donne mon arbre. Il est ah, où mon c'est arbre pas mo- C'est pas moi qui l'ai, je te jure. Si t'es passé dessus, rends-moi l'arbre. A pas peur. A pas peur, va ici. Musa qui l'a. Donnez-moi mon arbre. Pas vrai, c'est une carotte que j'ai. Tu me... Attention. Je ne marche pas à la carotte, mon petit gars. Je vais te punir. Eh, hey, je l'ai vu. Je l'ai vu. Donne-moi mon arbre. Ça peut durer 20 ans, comme ça. Attendez. Bougez pas. J'ai dit quoi, Musa? J'ai dit donne-moi mon... Pas moi. Regarde, c'est lui, là. Oh, redonne-moi mon arbre. Et on va juste pas passer 20 minutes là-dessus, les... Jinta. Donne-moi mon arbre. Mais attendez, mais ça me rappelle les souvenirs de la cour de récré quand on voulait pas jouer avec le ballon. Donne-moi mon arbre. Ouais, je l'ai, j'ai mon arbre. Je me mets loin. Et oh, je replante. Parce que ça fait chier Fox. Bon, on va visiter un petit peu pendant que Fox il rattrape mes conneries. Enfin, attends, je vais planter un arbre, les gars, un arbre. Ah, je touche pas à l'arbre, il se débrouille. Non, sinon laissez-le, je vais construire autour. Non, non, non. On voudrait non, pas. Non, c'est bon, quand on a vu ce que t'as fait avec la tour d'iPlay. Les gars, j'ai un autre arbre. Oh, ça taunte. Mais que se passe-t-il dans cette équipe? Où est le bon sens et la bon. Bon, allez, par là. Nous allons donc reprendre du début, vous montrer un petit peu tout ce qui a été fait. Là, regardez, je longe pour que vous ne voyez pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ah ah, vous ne verrez pas. Attention, teasing. Je fais bien les musiques de teasing. La porte. Et ça, vous saviez que cette porte existait, vous l'avez vue de dehors, je vous la remontre. Porte inspirée largement de World of Warcraft, réalisation de Foxin disponible sur sa chaîne pour la modique somme de 9 999 € chez vous. Cette porte, c'est possible, n'hésitez pas à vous appeler le 3636 et vous envoyer 40 barres. Bon, cette porte, ok, donc là on est à l'entrée et cette porte ne s'ouvre pas, tout simplement parce qu'on a un géant chez nous qui vient l'ouvrir. Deux par dedans, regardez, il enlève ses gros troncs, le géant, et il ouvre la porte, mais là il n'est pas là, il n'a pas envie. Donc, Fox a fait l'enceinte de cette porte, regardez, il a fait aussi les escaliers extérieurs,
qui n'étaient pas là. Si, ils étaient là, je sais plus. Non, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Hein. Ils étaient en intérieur, je me rappelle, quand on l'a visité. Ça rend vraiment super bien. Moi, je trouve ça vraiment super joli tout. Et donc, ici, il a fait une espèce d'enceinte pour canaliser la foule, les passants. En cas de révolution, par exemple, les gens, ils arrivent là. La porte est ouverte où ils ont trouvé les petites sorties de côté. Ils arrivent, font « On n'est pas content, on n'est pas content. » Et là, il y a une enceinte de protection qui fait qu'on peut encore leur foutre sur la gueule. Enfin, bref. Et moi, je suis aussi avec mon arc. C'est ça. Écoute, vous arrêtez avec vos arcs. Ça, c'est... Je ne supporte plus les arcs. C'est une petite private pour Fox et Musa. Je ne supporte plus les arcs. Alors, nous voici ici au loin, vous voyez le hashtag fourchette, jumelé avec Holy Cube. Sur les côtés, bon là c'est là où je faisais le con, ça n'a pas encore été fait. Les murs des murailles ont été montés, ces murs-là aussi. Il reste quelques creux dans les murailles, mais c'est en cours. Une fontaine. Qui ouais, n'est ça, pas on encore... est en train de les modifier en fait. Une fontaine qui n'est pas encore terminado, hein, Fox. Ouais, parce que en fait j'ai demandé aux gens ce que je pouvais faire comme statue. J'ai eu le droit à un gros plat de nouilles avec des tentacules. Pour aller avec la fourchette. Est-ce que tu pourrais faire un mac and piss? C'est une fontaine. Est-ce qu'un mac and piss pourrait pisser de la flotte? Je peux essayer. Moi, je sais pas. Qu'est-ce qu'en pense le reste de l'équipe? Ouais, gros dynamisme and piece. Ce matin. Voilà. Ouais. T'as entendu ce qu'on en sait? C'est ça. C'est ça. Gros dynamisme. Ça fait extrêmement plaisir, les gars. Ça va? Tout le monde a pris son café ou que se passe-t-il? Je sais qu'on tourne à 3h du matin, mais quand même. Non, c'est faux. Nous tournons on tourne de plus en plus tôt, quoi. On tourne de plus c'est en ça. Plus tôt. Les gars, rendez-vous 6h demain. Non, mais fuck, quoi. Bientôt, on va tourner. On sera encore tous en train de dormir. Donc, ici, c'est la fontaine. Fox va faire une statue. Bah, je te propose ou le Mac and Peace ou le fameux nain. Est-ce que tu vois de quoi je parle, Fox? Si je te dis le nain statue. Oui. Je okay. vois de quoi je parle. Tu vois de quoi tu parles. Ok, merci, ouais. Ça fait plaisir. Donc moi je propose, si t'arrives à faire le mac and peace, super. Sinon le nain. Et si t'arrives à le faire cracher de l'eau par ses narines, je trouve ça trop classe. Style il s'est étouffé, oh, de l'eau, c'est dégueulasse. Ici, vous voyez, donc là comme ça, vous dites, ouais, il y a trois pauvres machins, etc. Il y a eu des modifications de biome, regardez au sol. Il y a eu des modifs de biome, on vous l'avait déjà annoncé qu'on ferait des lignes de commande pour ça, pour rendre le terrain un peu plus joli, puisqu'on était en plein milieu du marais. Donc Fox est allé plus loin, puisqu'il a fait des modifications de biome en interne de chacun, pour donner un dégradé. Et vous allez me dire, wow, le dégradé, on le voit pas trop, là je vois des haies, et puis c'est tout. Eh bien écoutez, je vais vous montrer, bougez pas, ne quittez pas, pour patienter ma montée, une petite musique pour patienter, c'est Nock qui vous l'a fait aujourd'hui. Vas-y Nock. Oh non, j'ai pas envie, j'ai avant cassé aujourd'hui. Vas-y. Allez, Oro, vas-y. Non, je chante pas. T'inquiète, des escaliers. C'est la musique d'attente d'Alex. Ah, le mec, il se fait un truc. Il y a un escalier intérieur, j'y vais. En train de me pourrir la façade. Je sais plus où ils sont, j'en ai marre de me perdre dans ce château. Il y a personne qui fait la musique d'attente là. Oh. Tchic-tchac-a-boum, tchic-tchac. C'est ta musique attente là. J'entends l'enthousiasme là. Il y a eu un début de musique made in Oro. Est-ce ouais, que tiens, on va faire le tour, ça peut être drôle. Fox, petite musique d'attente à toi, vas-y. Non, mais je peux raconter une blague. Non, je voudrais une musique d'attente. Je m'arrête à quel étage, au premier? Oui. Deuxième. Et c'est mon voisin qui fait les travaux. On n'entend pas. Ah bah tant mieux, parce que moi je l'entends bien là. Ah, c'est pas non, vous, mais... ça, c'est un squelette. Déjà, t'as fait vite, dis donc. Salut, Enoch. Donc, Fox, vas-y, salut. Petite blague. Alors c'est un zèbre, il se balade dans la campagne et puis il croise une vache. Il fait la vache, dis donc, à quoi tu sers toi? La vache il dit bah moi je fais le lait. L'âne il fait le zèbre il fait c'est cool, puis il s'en va. Puis il continue, puis là il croise Elle est terminée la blague? En fait, ça rappelle plus du tout. Je me souviens plus. Ouais, d'accord, non mais j'ai flippé. Attends. Alors, pendant qu'il la cherche, regardez, voilà ce que ça donne vu du haut. Alors, on a une terrasse. Enfin, une terrasse, une. Merde, aidez-moi là. Un balcon. Un balcon. Merci les gars. Une terrasse, ça passe aussi, je pense. Oui, une terrasse, un balcon. Un balcon, donc du balcon, ça fait très joli. Ah, regardez. Une terrasse. Et merde. Aïe, ça va, tout va bien. Je maîtrise la situation. Et regardez, vu du balcon, bah c'était beau aussi vu du dessus, mais tout est pensé. Fox a travaillé ça justement avec les dégradés, etc. Pour qu'il y ait vraiment un rendu plus visuel de hauteur que sur place. Après, Fox va vous expliquer ce qu'il a prévu sur les côtés, etc. La fontaine, tralali. Qu'est-ce que c'est que ce grand bâtiment là-bas? On va le visiter. Mais en attendant, Fox, donc vas-y, finis ta blague. Ah, il continue. Puis là, il croise un mouton. Il dit, dis donc, mouton, toi, à quoi tu sers? Mouton, il fait, bah moi, je suis là pour faire la laine. Il fait, ah, c'est cool, puis il s'en va. Puis continue, puis là il croise un cheval.
Fais, toi, le cheval, à quoi tu sers? Puis le cheval le regarde, il fait, bah, enlève ton pyjama, je vais t'expliquer. Et arrêtez avec vos flèches, on est où? La vie ou la mort? Maintenant, je fais voter l'équipe. La vie, la mort, pouce, en bas. Allez, allez, t'es déjà sauté déjà. Jinta, tiens, on est sur les musiques d'attente. Jinta, peux-tu nous faire une petite musique d'attente? Dédicace à Musa. Merci, Jinta. Oro, c'est à toi, petite musique d'attente, s'il te plaît. Non, moi, je l'ai déjà faite, moi, tout à l'heure. Oui, mais je voudrais que tu la refasses. Tu l'as fait. Ah non, allez, vas-y. Tu t'exécutes tout de suite. Banzai! D'accord, je saute alors, je m'exécute. Oui, ok, n'importe quoi. Musa, musique d'attente. Non. Si, si, attends, tout le monde doit passer. Pomba sucale. En fait, c'est très drôle, je comprends pourquoi vous rigolez. Noc, à toi. Tout le monde l'a fait. Ah, Noc. Oh, moi, je suis ma classique. Hein. Vous avez demandé une musique d'attente, ne quittez pas. La 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 la. Putain, la, on est pas là. Arrête, la, arrête, la, arrête. La, on va se faire strike. Bienvenue. Qu'est-ce que t'as le familial de Paris? Des zombies en armure d'or. Petite de France. Ah là 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 là. Allez, je vous la fais parce que je sens que vous la voulez. Vous êtes prêts? Et je vous fais la choré qui va avec. 3, 4. Poum chika me la poum bikita le la. Ou chika aïe ou takira kima. Ou chikini na puri kanike ne ketula. Pop! Pop. 25 minutes de vidéo, c'est le clip. Faudrait faire ça sur une plage en fait. Voilà, enfin bref. Bon, mon cher Fox, explique-nous ce que tu as prévu sur ce jardin un petit peu, comment tu voyais les choses et surtout, qu'est-ce que c'est que ce gros bâtiment? C'était quoi ça? C'était un Enderman. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, mes chers partenaires de jeu ont un temps de latence où ils ont une connexion au Pérou ou alors ils sont complètement amorphes. Je vote pour les deux. Ils doivent être au Nicaragua. Perso, j'ai les deux là. Et à demi amorphes. Fox, on t'écoute. Ouais, le gros bâtiment, en fait, quand on regarde sur les plans, c'est l'écurie et tout ce qui est zone artisanale. C'est-à-dire la forge. C'est mon futur chez moi. J'aime beaucoup ces endroits, enfin, j'aime beaucoup les portes comme ça, enfin, les alcôves, les... que dis-je? Les arches. Les arches. Et il va falloir qu'on aménage l'intérieur. Donc là, ça va être toute la partie forgeron, écurie, etc., qui mène des deux côtés. Ça, c'est joli ça. C'est quoi? C'est l'accès aux murailles. Ouais. Ok. Tu mets les murailles. Oh là, il a bien bossé le lapin, il a bien bossé. Donc là, on repart sur les murs. Non, les escaliers, okay. c'est Jinta. Oui, mais les escaliers, fait. Oui, mais... Vous avez Noct. Bien bossé les lapins. Non, c'est toi, Jinta, qui ça fait. T'as fait les ouais, escaliers. C'est ça. Tu es donc le maçon du groupe. Ouais. J'ai fourni la pierre et il s'est amusé à la façonner. Oula, oula, là. Attendez, je sors mon arc complètement épique et on y va. Banzai. Oh merde, Banzai, j'ai eu personne. Voilà, meurs. Toi aussi, tu vas mourir. J'aime pas les arcs. Je trouve que les arcs. C'est no balls. Alors, donc ici, si tu peux nous dire après dans les jardins, mon cher Foxin, qu'as-tu prévu dans ces jardins qui ont déjà pas mal avancé, mais il reste pas mal de zones vides? Qu'est-ce que tu as prévu dans ces jardins? One shot. J'ai planté pas mal d'arbres, je pense. Ouais. Là, devant les écuries, je vais continuer le chemin gravier. Ok. Qui va jusque... peut-être faire le tour du... la zone où il y a les buissons. Ok. Après la fontaine, on fera la grosse statue. Et normalement, si tu regardes sur ta droite, oui, ma droite, entre la tour et le château, va y avoir un. Enfin, sur les plans, il y a un arbre centenaire de ce côté-là et de l'autre côté. Donc, d'accord. Je pense que je ferai à la main. Donc là, environ l'arbre centenaire, là à peu près où il y a les coffres, enfin dans la zone de coffres là. Hein. Ou soit là, ou soit dans le coin de la terrasse. D'accord, donc en fait là t'aurais deux arbres centenaires, donc vraiment des très gros arbres avec des grosses racines, etc. Bah, ils dépasseront pas le quatrième étage, je pense, ils seront pas plus haut que le bâtiment. Non, mais que, ça fait des arbres assez massifs en tronc avec vraiment un truc. C'est pas le bonsaï quoi. Non, bah ce sera fait main de toute façon. Bah oui, on va être franc, tu fais pas pop des arbres centenaires comme ça, alors vous allez me dire qu'il existe des plugs pour le faire, des mods, etc. Et ben non, négatif, on fait qu'est-ce que ce qu'on veut. Alors, moi j'aime beaucoup les arches, comment tu les as fait. J'aime beaucoup ça. Alors par contre, il pleut, et ça fait chier. J'aime pas quand il pleut. Quelle idée d'emménager en Bretagne aussi. Oui, c'est ça.
C'est vrai que tu dis tout le temps, c'est vrai qu'il pleut beaucoup dans Minecraft. Alors, donc nous sommes ici pour vous montrer de l'autre côté. Donc là, les murailles, vous avez vu qu'il y a les escaliers. Jinta fait pas son boulot complètement parce que regardez, on va aller voir l'autre côté de la muraille. Ah, Jinta, tu t'y attendais pas celle-là, hein. Bah, mais quoi, j'ai rien fait. L'autre, on a l'impression qu'il bug complètement. Jinta, oui, je capte pas. Bon, allez voir ça. Attendez, je mange du chicken. Le poulet, c'est délicieux. On en mange avec les yeux. Pardon. voilà, regardez. Ils vous disent que tout est beau. Mais Jinta, qu'est-ce que t'as foutu ici? Y a rien. Bah, c'est un escalier, regarde là. Ouais, super escalier, Jinta. Jinta, en fait, fait des escaliers en bouse. On va vous montrer l'envers du décor, tiens. C'est pas prévu. On est dans déco, hein. Dans mais déco, c'est du fake. C'est du fake. Tout ce château, c'est du fake. Y a rien de rempli. Si. On le fait petit à petit, mais regardez. On va vous montrer, on va faire tout le tour pour vous montrer que Jinta a encore un peu de boulot, que c'est très long. Parce que, dites-vous qu'il y a tous ces blocs là aménagés, il a fait tout l'autre côté. Mais là, c'est totally fake. Il y a plein de zones qu'on remplira pas, mais là, moi j'y tiens quand même. Les murailles, mon petit Jinta, tu t'y mets quand? Quand j'aurai fini les murailles du château déjà. Ouais, parce que c'est vrai qu'elle fait pas encore tout le tour. Non, il manque un petit bout. Mais qu'est-ce que tu fous? On a presque l'impression que t'as une vie, que t'as déménagé, que t'as aménagé ton nouveau lieu de ta maison. T'as un super canapé qui va bientôt être un canapé en angle, que t'as joué sur le PC par terre pendant quelques jours, tu vois, ça, on aurait presque l'impression d'eux. Quelques jours, ouais, 3 semaines. Je donne pas les détails de ta vie privée, hein. Non, du tout. Je ne me permettrai pas. Hé, Jinta! Ah merde! Ah bah, oh, Jinta, allez au boulot! C'est bon, t'es pile poil où il faut, bosse maintenant. J'ai pas clair! T'as besoin d'un assistant? Oro, il voit venir le truc. Non, 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 je ne souhaite pas être l'assistant. Tu es parti, moi. Putain, le. Bon, je suis obligé de faire tout le tour. Donc ah, voilà, il va falloir aussi, les amis, et ça, ça va être un boulot juste de larbin de première. Je pense qu'on va le laisser à Arkheim, qui est pas avec nous aujourd'hui. Puni. Le mec, c'est le seul qui a un boulot puni, quoi. C'est toi qui fais la merde parce que t'as un boulot. C'est faire un chemin qui part d'ici et qui va jusqu'à l'avant-poste. L'avant-poste est déjà relié au spawn. Il faudrait faire un chemin qui part d'ici et qui va jusqu'à l'avant-poste. Et alors là, bonne journée. Dehors aussi, Fox en avait dit qu'on ferait ça des... Bah c'est Nock, tu te portes... T'as envie? Il se porte volontaire. J'ai dit, on fait un chemin de la cité à l'avant-poste. Voilà, non mais tu dis ça va, alors tu te tais. On avait dit ici aussi qu'on ferait juste devant le château deux zones, une à droite, une à gauche, qui seraient des villages de péons. Voilà, les péons du château, les bouseux, etc. Avec sûrement des fermes, etc. Fox, c'est toujours d'actu, faudra qu'on les fasse. Ouais. Il va falloir remettre de la terre sur l'eau. Ouais, il va falloir qu'on délimite un peu, on est dans les marais. Et là, on fera vraiment la baraque des péons, hein, les bouseux. Ceux qui bossent pour la monarchie, c'est-à-dire moi et vous, mes princes, mes rois, mes... Oh, qui c'est qui me tape là-haut? Parce que... Eh, Jinta, cherche pas la merde, hein. C'est ah toi, non, c'est en fait, moi. T'as tapé Fox et il a épine sur ton truc. T'as épine sur ton truc? Attends, je refais un test. Bah, tape-moi la main. Attends, je te tape à la main, avec une fleur. Fox! Fox! Aïe! Fox! Vachement bien! Effectivement, j'ai le cerveau. Bah là, avec une fleur, je suis pas prêt de te défoncer. Hein. Faites l'amour, pas la guerre, offrez des fleurs à vos amis. Non, c'est bon, on arrête, pop, stop. Pause. Ça finit toujours mal après. Arme de travers, je dis pause. Je la garde quand même, on sait pas, mais. Je dis pause. Voilà, pause. Un signe de ralliement des trouducs. Donc, voilà un petit peu l'avancée. Donc, là, il va falloir qu'on terraforme. Je vais nommer un terraformer qui se sent. Pendant que des bébés. Oh, c'est trop mignon, des petits zombies. Alors, délivrons les tâches comme il faut. Fox, toi, tu restes sur la partie jardin que tu vas avancer en off et sûrement sur ta chaîne, j'imagine. Non, pas sur ma chaîne. Pas les jardins, c'est pas intéressant. D'accord. C'est de la merde. Bon. Monsieur Jinta, tu vas avoir pour objectif de finir cette muraille et de l'aménager l'intérieur. Il y a du boulot, mon lapin. Est-ce que cette mission te convient? Ouais. Si toi ou un membre de ton groupe est chopé, on ira tout implication. Attention, ce message va s'auto-détruire dans 3, 2, 1, 0. Monsieur Nock, qu'est-ce que tu fais toi en ce moment d'ailleurs? Je commence à chercher un endroit où choper la terre pour le lac. D'accord, donc toi ici tu terraformes ici? Ouais. Ok, Nock responsable du terraforming d'ici. Bah, terraforming déjà, remettre à plat. Ouais, remettre à zéro, c'est-à-dire simplement tu seras un combleur de trous. Qui c'est que j'ai oublié? Oro, t'es où? Viens ici.
Il est où? Eh, dis donc, je t'ai pas vu, je t'ai écrit derrière l'arbre, si je suis pas là, monsieur. Je vais pas travailler. Que fais-tu en ce moment? On va t'attribuer une pas tâche. Pas grand chose. Oui, oui, on peut m'attribuer une Alors, tâche. Je vais t'attribuer la tâche suivante. 10 tâches. Martine, attention, c'est à toi, après ça va chier. Martine, je peux t'assurer que ça va chier. La tâche pour toi, je suis en train de réfléchir, va être de. Tu vas aider Jinta sur l'intérieur, sur la muraille, pour que ça avance plus vite. Okay. Et quand vous aurez fini tous les deux, vous irez aider Nock pour terraformer ici. D'accord. Ok, Fox, t'avais pas besoin d'un larbin sinon. Non, ça va aller. Ok, Martine, où es-tu? Martine. Martine se planque. Martine flippe, je regarde dans la mine parce que Martine est souvent dans la mine. Martine? Oui. Ouais Martine, m'oblige pas à utiliser. Et là tu lances la musique de Mission Impossible. Je suis intéressé, je suis sûr. M'oblige pas à utiliser un TPO. Ah regarde, non. C'est pas... Ça c'est les autres. Tous à la recherche de Martine. Le premier qui tue Martine, il a gagné. Oups. Eh, combien qui me touche le... Je suis sûr qu'il est planqué par là. On n'est jamais allé par là, il y a du fer. Cool. Martine, t'es où? Non mais nous oblige pas à faire des épisodes de... T'es en bas dans les escaliers. T'es en bas de... Hein? Nous on tire dans une grotte en fait, on a tellement l'habitude que tu te caches dans les grottes. On a vu une grotte, on est tous rentrés dedans en mode Martine doit être là. Alors attends, t'es en bas dans les escaliers? Quels escaliers? Ah les escaliers qui descendent. Ah merci. Ou qui montent. Mais nom de Dieu, heureusement que tu es là. Tu viens de m'apprendre une composante essentielle de la vie. Il y a des escaliers qui descendent, des escaliers qui montent. Et des fois ça peut même être les mêmes. S'il n'y a pas de sens unique, tu vois, s'il n'y a pas de panneau sens unique par ici, par là, mesdames et messieurs. T'es où, Martine? Parce que qu'est-ce que tu fous, toi, en ce moment, Martine? Moi, je vais. T'es où? Et je te cherche? Et je dis, il y a les escaliers qui descendent là, à l'entrée du château. En bas. À l'entrée du château, tout d'abord. Ah, il est à l'autre bout, ok. Ah, t'es carrément. À l'autre bout de la salle d'enchante. On arrive, explique-nous ce que toi tu fais en ce moment. Je vais refaire la salle d'enchante, en fait. Oh, automatisé? Peu sûrement. Ah, parce qu'en fait, il y en a marre de descendre en bas pour aller enchanter les trucs, donc du coup, je vais la remonter dans l'écran. Descendre en bas. T'aurais du mal de descendre en haut, c'est dur en fait. Oui, parce que Musa monte. Quand il descend, il monte. Et quand il pète, il pète. Non, je ne ferai pas la fin de cette phrase style digne de la chanson de. Tu vas te faire striker? Oui, j'en ai marre du strike, j'en ai marre. Et mon voisin fait carrément de la perceuse maintenant, il est chaud mon voisin, je t'embrasse puisqu'il regarde Starclick et je te dis merde, préviens avant. Je vais te faire un planning de quand je tourne Starclick. De toute façon je m'en fous, je déménage, j'ai une nouvelle maison fin mars. Et alors cette maison va être épique. J'aurai un studio full aménagé de 40 mètres carrés que pour le tournage. Non, c'est faux. Oh non, j'aurais pas plus de studio aménagé qu'aujourd'hui. C'est l'arnaque. C'est tes vidéos YouTube qui te permettent de... Bah, c'est ce qu'on disait hier. J'ai reçu ma paye de Google AdSense. 250 000 euros pour le mois, quoi. Je sais plus quoi faire de mon pognon, quoi. Je pense aller m'installer en Suisse, au Pérou ou au Nicaragua. Je ne sais plus. Mon banquier me dit qu'il faut que j'investisse et que je commence à acheter des buildings. J'arrive, Musa, que tu nous montres la salle d'enchant actuelle. Ah oui, elle est tout en bas. Oui, ouais, bien en bas. Et donc, tu veux la remonter? Est-ce qu'on n'avait pas une tour de prévue pour cette salle d'enchant? Peut-être. Au pire, je ferai autre chose ici. Ah oui, Musa, lui, en fait, il dit rien. C'est la force, tranquille. Il dit rien, mais il bosse. Attends, j'ai planté des arbres. Ça marchera pas, t'as pas je sais, t'as pas cette place. Je veux faire. Vider ma bonne mille parce que j'en avais trop dans mon inventaire. Bon, les amis, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé car nous avons encore rien foutu, mais c'est pas nouveau. Merci pour vos messages et de voir que la FAQ vous a plu il y a quelques épisodes. J'ai aussi pris compte de vos demandes de pouvoir mettre plus souvent ma tête. Je le ferai de façon aléatoire. Donc là aujourd'hui il y avait ma tête. Oh merde, doit y avoir un bug YouTube, je vois pas sa tête en vrai. Non, il n'y avait pas ma tête. Tu dégages, tu files de là, tu ne t'as. Oh le vilain. Oui, vous m'entendez quand je spam mon clavier. Voilà, que dire d'autre? Pouce bleu, hein, pouce bleu, petit commentaire sympathique, petite envie d'aller plus loin, d'aller plus haut même, comme dirait l'autre. Regardez, petit signe phallique, voilà, parce qu'on aime les signes phalliques, surtout Jinta. Voilà, je vais mettre le mot de la fin. Mais casse pas mon signe phallique! C'est ce qui fait mon audience. S'il n'y a pas de phallique, je fais plus d'audience. Donc, le mot de la fin, mon cher Foxin, il est pour toi, vas-y. Lâche-toi. Non, moi j'avais une blague pour la fin. Vas-y, fais-nous rêver.
C'est deux youtubeurs qui se rencontrent dans la rue, et puis l'autre il fait « Bah dis donc, on te voit plus là depuis deux derniers mois, qu'est-ce que tu fais ?» L'autre il répond « Bah je me suis pris une Porsche Cayenne. » Il fait « Ah ouais putain, mais ça a dû te coûter cher. » Il fait « Ouais, une jambe et cinq mois d'hôpital. » 5 semaines, je voulais dire 5 semaines. J'ai foiré ma blague, je suis désolé. Merde, mesdames et messieurs, pour vous remettre de cette blague made in Fox que vous aimez tant, nous allons musique tous d'attente. Chanter en même temps, à 3. Vous allez me suivre, il y a intérêt. La musique d'attente, attention, 1, 2, 3. Il y a toujours que 11 qui suit, les autres sont là en mode ouais. Fuck, je chanterai pas ton truc. Monsieur Jinta, le mot de la fin pour toi. Allez, le traditionnel. Non. Merci. Ceux qui n'auraient pas vu le petit clin d'œil, Musa, c'est une de tes séries préférées. Mm-hmm. Et quoi? Pourquoi ça vient le. Non, c'est pas une de tes séries préférées, mais. Non, mais je sais de quelle série ça vient. Vas-y, dis-nous tout. C'est le truc avec les frères Wayans, là. Ma famille d'abord. Non. Voilà, si, c'est... Je sais plus, c'est avec le Black. Là. Un truc comme ça, ouais. Ma famille d'abord. C'est ça, c'est ça. Non. Monsieur. Tiens, en parlant de phrases, c'est celle qui est mythique. Alors en français, ça rend tellement mal cette série, mais en anglais, elle est terrible. Vous avez trouvé tout de suite, c'est. It's. Wait for it. Legend. Wait. Oh, this is time. Legendary. Voilà. Qui a trouvé? Facile. Bah, facile, mais tu l'as tellement mal fait. Ouais, je sais. Bah écoute, excuse-moi de pas avoir l'aura de Barney. Mais je viens de faire un câlin. Alex, tu le vois aussi le... tu le vois ce que je vois ou y a pas un truc qui choque? Ou y a que moi? Là où y a la torche. Non, là où y a la torche. Il y a rien à voir en fait. Il te troll. Non, c'est parce que moi je vois de l'eau derrière la torche en fait. Bon, on était à qui? Oro, t'as dit ton mot de la fin? Je sais plus. Non, j'ai pas dit mon mot de la fin. Vas-y, mais... mot de la fin. Au revoir. Putain, super. moi, c'est un proverbe Minecraft. Oui. Qui dit que si tu veux que tes maisons aient de la gueule, n'y mets pas de la cobble. C'est une très bonne chose. Merci, Mesa. Nock nous a quittés. Il n'est pas décédé, mais il a un problème de cou en ce moment. Donc, Nock, son mot de la fin va être dit par Jinta. Au nom de Nock, Jinta, que dis-tu aux gens? Je vous aime tous, bisous. Jinta, c'est toi? Hein? Que se passe-t-il? Bon, tout est super génial. Oui. Mot de la fin. Je commence à manquer de mot de la fin vu qu'on est à l'épisode 278. Le mot de la fin est un proverbe. Japonais. Attendez, excusez-moi. C'est pas moi. Ah, fais ça. Qui? Dénonce-toi. Il se cache derrière un pilier. Eh, vilain, pourquoi tu fais ça? Aïe, mais il est con, Fox. Meurs. Non, bah je rigole. Attends, je donne mon mot de la fin. J'en ai marre de mourir à chaque fin d'épisode. Donc ça suffit, les enfants. De faire toute la moquette. Mon mot de la fin est donc un proverbe japonais. Si ton four est un radiateur, alors le radiateur aime bien le four. Je viens de l'inventer, mais j'avais pas mieux. Là. J'ai tout niqué. T'as tout niqué quoi? En bas, j'ai fait couler de l'eau sans faire exprès quand j'ai voulu t'éteindre. D'accord. Bon, donc, je me mets là. Je vais remettre la moquette. Voilà. Dans mon endroit sécurisé, rien qu'à moi. C'est ma petite maisonnette à moi. Les amis, j'ai rien compris, personne, mais moi non plus. Elle n'existe pas. J'avais rien à raconter. Alors, le retour de Nock. Nock? Knock, oui, knock. Bonjour, bienvenue au Pérou. Knock Knock qui est là. Pardon. C'est la Pinou? C'est la Pinou hier. Knock, je la refais celle-là. Faudrait que je la fasse visuellement. Tu sais, c'est toc toc toc. C'est qui? C'est la Pinou. Mais c'est la Pinou qui? Bah, c'est la Pinou hier 2014. Bon, un peu trop tard, Knock. Jinta a fait pour toi le mot de la fin. Je vous aime tous. Souhaites-tu rajouter quelque chose? Ou total? Ah je veux qu'on fasse à Jinta pour une fois. Mais pas déçu, hein. Cette équipe est en train de changer. Une métamorphose avait lieu. Je ne savais donc plus quoi faire. Fox était différent, Jinta aussi. Musa se mettait enfin à bosser. Quant à Oro, il avait disparu. Mais que cette équipe renfermait-elle? Vous le saurez en regardant la suite de StarClick Online. La seule aventure où on fait de la merde. Et on le fait bien. Bisous, bonne journée, bonne continuation. Bonsoir.